de Bamako ne décolle toujours pas. En visite au stade Denis Sassou Nguesso de Dolisier, les Blancs sont dans l'obligation de ramener un bon résultat. Ils pêchent par la mauvaise organisation dans le jeu, un manque criard de cohésion et l'instabilité dans la gestion de l'effectif. Excepté une reprise de Souleymane Dembélé qui heurte le poteau, les Blancs de Bamako n'ont pas montré grand-chose en première période. Les Congolais, également bruyants, arrivent à avoir l'essentiel à la 23e minute pour organiser ses airs de la tête. La réaction stadiste s'est fait attendre et c'est là pour longtemps, puisque ce sont les fauves du Niari qui se signalent par Niemba Eric qui touche la transversale. Le stade malien de Bamako ne réagira que dans les ultimes instants de la rencontre, avec notamment Moussa Diawara qui ne cadre pas sa tentative. Le stade, avec 2 points en 4 matchs, n'a donc plus son destin en main et se voit contraint de gagner les 2 prochains matchs contre le Djoliba et le Wydad pour espérer décrocher le 2e billet qualificatif à la demi-finale. Les Congolais, 6 points, et se placent derrière le Djoliba. Bref, les 2 dernières journées sont